Et salut à toutes et à tous, c'est Okrad. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur The Girl and the Robot. J'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va plutôt bien. Alors, on s'était quitté juste ici la dernière fois, sauf que là, j'ai rapproché la petite fille. Vous entendez peut-être une petite différence au niveau du micro, c'est tout simplement parce que j'avais la flemme de brancher tout mon matos audio aujourd'hui, donc je suis au micro-casque. J'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur et que vous apprécierez quand même ce qu'on va vivre aujourd'hui dans cette aventure. Alors, bon, je suppose que je dois aller tout droit. Je vais juste mettre mon petit chrono, parce que oui, quand même, on a des délais à respecter, des temps à respecter. L'autre fois, j'ai quand même un petit peu beaucoup débordé, je ne vous le cache pas. C'est vrai que là c'était un petit peu. C'était costaud, voilà. J'ai mis mon petit chrono, comme ça j'essaierai de pas dépasser les 30-35 minutes. On va essayer de faire quelque chose de propre aujourd'hui. Alors, sauvegarde en cours, très bien. Oula! Qu'est-ce que c'est qui se passe ici? Ah, mais attendez. Ah oui, mais là je peux pas passer du coup. Ah oui. Bon, on va aller là. Ouf! Waouh! Eh, c'est super beau! Et ouais! Et ouais, c'est beau. Faut avouer que c'est joli. C'est un grand labyrinthe, mais c'est beau. Alors, est-ce que je peux... Ah, je ne peux pas. Sauf si je gruge un petit peu comme ça. Ouais, je pense pas que ça va le faire. Attendez. Non. Non. C'est mort. C'est mort. De là où je suis, c'est mort. Je pensais pouvoir gruger un peu, mais non, même pas. Ouais. On va passer ici, donc. Là. Bah, je peux pas passer. On va continuer. J'ai laissé la petite fille en haut, volontairement. Je vais explorer un petit peu avec le robot. On sait jamais, hein, si au détour d'un arbre, on tombe sur des vilains robots qui puent. Eh bien, au moins, on est à l'abri. Alors, c'est la toute première fois que je recorde avec OBS Studio. Que je recorde en local, en tout cas. Oh, je suis enfermé. Que je recorde en local avec OBS Studio. Donc vous me direz hein, si la fluidité est aussi bonne, voire meilleure qu'avec XSplit. C'est très important pour moi de le savoir, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hop, dégage, tu pues. Voilà. Très bien. Donc ouais, c'est très important pour moi de savoir ce qu'il en est. Ah bah c'était un piège en plus. Parce que tout simplement, j'ai pas l'habitude avec ce logiciel, alors j'ai essayé de faire quelque chose de propre, encore une fois. Tiens, ça se ferme automatiquement. Ok, oh, what? Oh, c'est des kamikazes! Oh, j'hallucine, il y a des kamikazes. En fait, les robots fantômes que je disais l'autre jour, hein, c'est des kamikazes. Ok. Bon, bah voilà les robots kamikazes maintenant. On va se protéger. Ok, c'est bon. Donc on a le droit au robot kamikaze. Donc à mon avis, avec eux, on a plutôt intérêt à bien se protéger. Vous voyez, j'avais mon bouclier comme ça, donc j'ai pas pris de dégâts, mais je... Bon, on va... Regardez. Ah non, on prend quand même du dégât. D'accord, donc quand il se fait péter, on a plutôt intérêt de bouger, en fait, c'est tout. Juste ça. Très bien. Faut que j'apprenne à les connaître, hein, ces robots. Je ne les connais pas encore. Pour l'instant, pour moi, tout ça, c'est très très flou. Très vague. Oula, je me perds dans le labyrinthe, là, déjà. Non, 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 non. Ne te perds pas au crâne, s'il te plaît. Bon, là, je suppose qu'il va y avoir des monsieur pas beaux. Même pas. Si. Voilà, oh, puis ça explose vite, hein, ces cochonneries là. Ah oui, quand même. Ils ne plaisantent pas, ils sont vraiment, vraiment prêts à tout. Ils sont vraiment très moches également. Moi, je les aime pas, hein. Ça va pas être mes grands copains, je crois, ceux-là. Non, 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 non. Ok. Attendez, on va gruger à la Daisy ou pas? Ouais, il y en a un là derrière, regardez. À la Daisy. Enfin, à la Daisy d'avant, hein, parce qu'apparemment maintenant ça a été corrigé, mais bon, bref. On se le fait à la Daisy. Voilà, dégage. En fait, faut lui taper dedans avant qu'il approche de trop. Je pense que ça peut être une technique viable.
Si on sait à peu près où il est. Oh mince, me voilà revenu ici. Ah oui, me voilà ici, de retour. Ouais. Ça va être sympa ce labyrinthe, je le sens. Ça va être très cool. Alors, je devais aller là. Maintenant, ici. Ici. Mais c'est super beau, hein. Moi, enfin, c'est super beau. Artistiquement, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Je suis très sensible à ce genre d'ambiance. Donc, forcément, ça me plaît. Salut, Michel! Oh, ça marche! Sérieux! Reviens, Michel! Ah non, ça marche plus. Ah, je l'ai mis en slip, mais je peux pas faire plus, quoi. Ah, c'est dommage! C'est comme si t'arrives à mettre ta femme en... Non, je déconne. Je vais éviter les blagues. Oh là là, mon Dieu. Les blagues vaseuses à la Bigard, on va éviter quand même. Je pense qu'on a un minimum de maturité pour éviter ce genre de truc. Bien que ce ne soit pas vraiment un exemple de non-maturité, mais... Oh là, je sais pas trop où je vais passer, hein, c'est... Aïe, aïe, aïe. Bah, je fais quoi? Comment que j'ai fait? Ça me paraît un peu compliqué, là. Ah, je vais peut-être devoir utiliser la petite fille. Eh oui, parce qu'elle, comme elle est plus agile. Attendez, on va aller la chercher. Allez, Micheline, on y va. Bon, je l'appelle Micheline, hein. Je ne sais toujours pas comment elle s'appelle. Donc, je l'appelle Micheline. Je trouve que ça lui va plutôt bien, ma petite Micheline. C'est mignon, c'est mignon. C'est mignon tout plein. Oh, allez, voilà. Alors, par contre, il va falloir que je me méfie. Parce qu'elle est vachement sensible au choc. Donc si elle tombe, je suis mal. Quoique non, je pourrais pas faire grand-chose de plus avec elle, hein, j'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression de pouvoir faire quelque chose de mieux, quoi. Non, c'est pas ici. En tout cas, j'ai bien nettoyé le passage. Donc c'est déjà une bonne chose. Ah, elle peut peut-être passer. Ah oui! Eh ben voilà! La voilà notre solution. Alors lui, je l'ai foutu en slip. Du coup, ouais, mais si je passe là. Oh, il allait venir direct, regardez. Ah. Je vais me méfier, hein, parce que... Ah non, mais je suis de retour là, oui d'accord, donc en fait, ouais. Là pour le coup, ça n'a rien changé. Ah, ici, ça peut changer quelque chose. Par contre, il y a le robot juste de l'autre côté. Ah non! Je m'y attendais absolument pas en fait. Bon, premier game over de cet épisode. Ça commence très bien. Bah, je m'en doutais de toute façon qu'il allait venir. Le souci, c'est que... Ah oui, non, on va reprendre le robot, parce que là, à mon avis, ils sont tous revenus maintenant. Ah bah oui. Évidemment. Oula, j'ai failli tomber. Est-ce qu'ils sont tous revenus? Ou pas? Si, ils sont tous revenus. Ouh, oui, ils sont absolument tous revenus. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure, lui, il était pas là, hein. Il y a même des nouveaux, dis donc, comme ça. On a réglé tous les problèmes là. Bon bah on va faire le ménage. Écoutez, peut-être que ça pop aléatoirement, j'en sais absolument rien. Tout cas, l'autre était très mal placé parce que dès qu'on passe par la trappe, on se fait choper direct. Bon allez, à nous deux. Tac. Allez, va dormir Michel. Ou Jean-Jacques si tu veux, je m'en fous. Ah ouais, lui par contre... Ouais, il est buggé. Ça c'est génial. Ça c'est génial parce que ils sont quand même assez rotors. Bon, c'est quand même à corriger, hein, mais cela dit, bon, c'est pas trop grave. Si on peut gruger un peu de temps en temps. Oh. Ok. Oh! Et c'est qui fait mal, lui? J'ai même pas le temps de faire un pas en arrière. Qu'est-ce que c'est que ça d'aller?
Voilà, hop, lui c'est bon. Eux ça va, eux je commence un petit peu à les maîtriser. Par contre quand ils sont mélangés, un classique avec un comme ça, c'est moins simple. Ah bah là il n'y en a plus, vous voyez il y en avait un tout à l'heure, donc ça doit peut-être popper aléatoirement dans le labyrinthe. Ce qui est plutôt malin. Ça évite qu'on s'habitue. Là il y en avait un tout à l'heure, non? Non. Ici, non. Ah oui, là de l'autre côté, il y en avait un par contre. Ouais. Alors, on... Oh mince. Oui, par là. Par là, par là, par là. Par là, Bruni. Ouais, c'était très drôle. Alors, est-ce qu'il est encore là? Ah, c'est un comme ça maintenant. Ah bah c'est cool du coup. Je fais ça. Ah bah non. Il est trop loin. Ah non, c'est bon. Voilà, au moins, la petite se fera pas choper. Ouais, donc tout à l'heure, c'était... Comment dire, bah, un manque de bol tout simplement. Alors partout où je vais pouvoir passer, il va juste falloir que j'ouvre à mon pote robot. Mais là du coup ouais, comme il n'y a plus de robot, je serais peut-être pas embêté, enfin j'espère. Parce que tout à l'heure c'était la faute à pas de chance. Hop, on y va. Alors je sais plus si c'est là, non, ouais c'est là, à droite, à gauche, voilà. Ah oui, il faut que, ah oui, attendez, je vais réparer Pépère. Allez mon grand, on va remettre ton joli casque. Non, tu veux pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. Voilà, le pote robot est réparé, il n'y a pas l'air d'avoir de méchants. Enfin, il n'y a pas l'air. On va voir. C'est bon? C'est safe? Ça m'a l'air safe. Écoutez, pour l'instant, ça m'a l'air safe. On va ouvrir. Voilà. Et on va se remettre de l'autre côté. Comme ça, hop. On va faire le ménage avec le robot. Ça, je pense que c'est quelque chose à retenir dans le jeu, hein, c'est de bien, bien faire le ménage avec le robot d'abord. Je vais refermer, du coup, comme ça, la petite est en sécurité. Clac, clac. Voilà. Alors là, je suppose un robot. Deux. Quoi ? Ah là là ! Je me suis fait avoir, là. Ok, bon c'est pas grave, j'ai de retour plus de casque. Tant qu'on tombe pas sur un robot gris, ça devrait le faire. Ou un rabot gris. Oh, je suis vraiment très drôle aujourd'hui, moi, dis donc. Oh, il est chaud. Oh, il est chaud, Jean-Eustache. Oh non! Non, Jean-Eustache, tu n'as pas le droit. Tu sais que tu n'as pas le droit de t'opposer à ton maître. Waouh! Bon, là, je vais devoir ouvrir à la petite, hein, parce que là, je suis bientôt en slip. ça me plaît moyen. Ça me plaît moyen. Je vous cache pas que la perspective de me retrouver en slibard ne me plaît pas trop. Alors, on va, hop, réparer le robot. Voilà. Et voilà. Très bien. Allons-y. On referme la petite. Truc, tranquillement, voilà, et on y retourne. Mm-hmm. Bon, là c'est bon, il n'y a plus rien. On va passer par là. Bon, je suppose qu'il y a quelque chose. Non, là il n'y a rien. Fort bien. Bon, bah c'est bien là, hein. C'est là qu'il faut passer. Par contre, là, ici, il risque d'avoir des. Ah non, il n'y a rien. Waouh! Cool! Ah, là, il y a quelque chose. Non? Je vois une lame, là. Ouais, ouais, ouais. On va gruger un peu, regardez. Ah, ils sont bêtes, hein, les gris, mais ils sont vraiment bêtes, hein. Les robots gris sont vraiment débiles. Allez, hop. Vous voyez comment on passe? Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Il était en train de venir, puis après il s'est pris une flèche et a dit « Oh bah je bouge plus. Oh bah je vais me laisser tuer. Oh bah c'est très bien. » Je vais quand même faire le tour. Non, il n'y a rien. Oh regardez, une petite grappe de raisin. C'est mignon. Et c'est surtout très bon le raisin. Le raisin, c'est le bien. Ok. Donc là, on va se méfier, parce que à mon avis, ici, il y a un petit robot qui se cache. Même pas ? Waouh ! Ah bah dis donc. Eh ben dis donc. On va aller voir là. Là, ici, il y en a, c'est sûr. Ah oui, mais ici, il va falloir que j'ouvre avec la petite, du coup. Donc ! Ah bah oui, non, la petite, elle peut faire le tour. J'allais dire, je vais revenir avec le robot, mais ça sert à rien. Elle peut le faire toute seule comme une grande, elle peut passer dans son petit trou à souris, là. Hop là. Très bien. Allez, ma petite. Comment je l'avais appelée tout à l'heure? Micheline, je pense. Hein. Voilà, on passe. Ah non, c'est pas par là. Ouais, grappe de raisin, ici, voilà, très bien. Parce qu'il y a qu'elle qui peut sauter, donc à mon avis... Il y a quelqu'un qui va pouvoir passer là. Yata ! Voilà, parfait ! Alors, on va se méfier ici, par contre. Non, là, il y a l'air de rien avoir du tout. Ça m'a l'air safe. Pas pour elle, par contre. Parce que je sens que quand je vais faire ça, ici, les portes vont s'ouvrir. Je sais pas. Je sens pas trop pour elle, par contre. Waouh ! Il y a un peu trop de mécanismes qui se sont déclenchés d'un seul coup pour moi. Ok, là, il y a les escaliers, mais je vais pas y aller tout de suite. Je vais plutôt d'abord aller faire un tour avec le robot. Parce que là, à mon avis, ça va être la fête. Sauvegarde en cours. Ah bah, c'est très bien. C'est très bien. What? Oh, il est chaud. Ah, ça marche. Ça marche ou pas? Ah non, ça marche pas. Oh, comment je gruge le jeu à chaque fois, quoi. Oh! Il vient. Non, ne viens pas. Reste là. Wow. Ah, je peux pas bouger. Ah, c'est bon. Wow! Il y en a un là. C'est rempli, en fait, ici. Ok. Ouh. Bon, lui, c'est bon. Pas de problème. Oh, il y en avait deux. Ah, dis donc. Il était chaud patate, celui-là. Ah, il voulait vraiment en découdre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait attaquer la petite au niveau des escaliers? J'ai pas l'impression. Ça m'a l'air d'aller. Par contre, moi, ici, c'était... Ah bah, dis donc, c'était chaud, quoi. Là, il n'y a rien. Oh, là, il y a quelque chose. Ok. Là, il y a quelque chose. Je vois une ombre. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Regardez. Hop, protection. Boum! Et boum! C'est bon ou il y en a encore combien comme ça là? Ok, il y a Jean-Robert. Voilà, c'est bon. Eux, j'ai même pas besoin de me fatiguer à les taper. Ils se tuent tout seuls. Hop, voilà. Pff, lui, il m'a vu. En fait, c'est devant mon charisme de robot inégalable. Qu'ils se font exploser. Regardez. Hop. Voilà. J'ai un charisme de robot inégalable. Ils me voient. Bah ça y est, ils fondent. Ils fondent. Évidemment. Je comprends. Après, je comprends. Voilà, c'est... Que voulez-vous? C'est comme ça. Oh, il y a des petits cœurs. C'est mignon. Bon, les robots sont moins mignons. J'irais peut-être plus même. Ils sont un petit peu chiants. Mais bah bon. Par contre, c'est un sacré sac de nœuds.
C'est assez impressionnant. Waouh! Alors là, je me suis fait avoir là. Ah, lui, il m'a surpris. Bon, là, ça va se remettre. Pas de problème. Ah, le truc m'a surpris. Ah, le salaud. Là, il m'a fait mal. Là, il m'a fait très mal. Quand on est dans des endroits un peu fermés comme ça, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que je peux toucher sa petite boule là? Ouais! Eh bah, dis donc! Il y en avait un petit paquet là-dedans quand même, hein. Vous avez vu, j'ai fait un méga combo là, hein, quand même. Je veux pas dire, mais. Par contre, je sais plus trop où je vais, moi, avec ce labyrinthe. Oula! Oui! D'accord. Ne bouge plus. Voilà, très bien. J'aime quand tu fais. Prends ta pause, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, t'es sexy comme ça. Ne bouge plus. Ah non, mais ça c'est nickel. C'est quoi ça? Ah! Oh le bug! Ah, mais oui, mais là je vais me faire plaisir là. Attendez. Et ça marche, hein? Ah, il s'est reculé, il est intelligent lui. Par contre, ouais, ceux qui est à côté, du coup. Mais ils sont tous morts, quoi. Attendez, je vais me méfier parce que j'ai entendu du bruit. Ils se seraient pas mis là. Ah, je peux pas voir. Ah, si, ils sont là. Voilà. Ça commence à devenir bon, tout ça. Oh là là. Ça me fait beaucoup moins peur ce passage d'un seul coup. Hop là, bonjour! Salut, salut! C'est Ocradinouille! Ocradinouille! Ah bah, ah oui, il n'y a même plus personne du tout, quoi. Je pensais qu'il en restait au moins un, mais non, même pas. C'est parfait. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Dixit l'autre. Ok. Bon là, je suppose qu'il... Ah, un canon. Est-ce que ça ferait péter le mur? Peut-être. On va essayer. Boum! Bah voilà. Oula. Oh, je suppose qu'il va y avoir des trucs derrière, non? Même pas. Alors à quoi ça sert ce machin? C'est quoi? C'est un loto? Comment ça se passe? Ah, timer! Ouais, mais non. Le robot est lent. Et le go est lent. Voilà, j'y suis. Sauvegarde en cours. Ah mais non, je vais être enfermé si je fais ça. Si je fais ça, c'est l'angoisse. Petite énigme donc. Ah. Ah, ça ouvre la deuxième. Mais comment c'est possible? Ah, ça va être la petite qui va devoir activer les trucs. Ah oui, non mais c'est sûr. Ah, quoique. Vu qu'il reste longtemps celui-là. Faut que je trouve le troisième. Ah, il est là. Ok. Donc troisième. Bim. Est-ce qu'il reste longtemps celui-là? Je suis pas sûr.
Le deuxième est là. Le 2. Ok. Non! Il s'est refermé. L'angoisse! Le 3 reste assez longtemps quand même. Enfin, le 2, non, le 2 reste assez longtemps. Donc je fais 2, 1, 3, je suppose. Ah non, 2, 3, 1. Parce que le 3 reste assez longtemps quand même. Hop, 3. Très bien. Ok. Et là, si. Ah non, le 2 c'est déjà refermé. Waouh. Ah, c'est chaud. Ouais, donc le 3 reste le plus longtemps. C'est lui qui reste le plus longtemps. Vous voyez que le 1, ça va super vite. Donc 3, 2, 1, tout simplement. 3, 2. Oh, mais non, si je loupe ma flèche. Non! Mais c'est refermé devant moi! Mais c'est pas humain! C'est dégueulasse. Bon. On va se dépêcher. Ce que je vais faire, je vais me préparer. Boum. 3. 2. Et go. Ouais! Oh le beau gosse! Oh ce beau gosse! Sublimissime! Bon bah du coup je vais pouvoir faire venir la petite. Allez ma petite. Allez Micheline, on y va. Waouh, ça monte là quand même. Vaut mieux pas se torcher. Je suis pas très certain de ce que je viens de faire là. Bon. Ok. Ne tombe pas, Micheline, s'il te plaît. Enfin, je dis ça, mais c'est moi qui la contrôle quand même. On peut descendre. D'accord. Ouais, donc fallait quand même que je passe. Dans tous les cas. Bah, y a rien ici. Ah oui, je suis extra bloqué là. C'est nul. C'est absolument nul. Parce que là, j'ai besoin qu'elle rejoigne le robot. Sauf que... Ah bah oui, je suis bête, je fais ça. Abrutoche. C'est bon. Je suppose qu'elle a un petit passage pour elle quand même. Hop. Hop. Donc ça doit être ici. Elle a pas de passage. QA. Pour QA. Bah pourquoi là? Bon écoutez, je vais faire un coup d'entourloupe comme l'autre fois. Attention, ça sent le game over! Voilà. C'est normal. C'est normal parce que ça a sauvegardé. Tout à l'heure avec le robot, donc à tous les coups, je vais peut-être être téléporté à côté du robot. Ça, parfois, ça peut marcher. Ça marche absolument pas. Bon. Bon, bah, soit. Pour le coup, là, je peux rien faire, je comprends pas. Je comprends pas, je me retrouve là, je peux rien faire. À quoi elle va me servir, la petite? C'est problématique ça, les copains.
C'est problématique. Parce que là, il m'en faut deux pour passer. Ah oui, ça descend tout seul. Ok. Ah bah c'est bon là. Ah non, mais moi je m'attendais à ce qu'elles doivent activer le mécanisme, blablabla. Hein? C'est quoi cette pièce? Très chelou. Hein? Hein? Attendez, je crois avoir compris. Je crois avoir compris. Allez, on va redescendre. En fait, le robot peut voir les trucs en bleu, mais pas elle. Du coup, je vais devoir me baser sur la vision du robot pour pouvoir sauter au bon endroit avec la petite. Je pense. Parce qu'on voit un truc de ce style dans le trailer. Hein. Je l'ai pas inventé moi-même hein, non plus. Parce que là, franchement... Parce que je suppose que là, c'est là où est le robot. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Attendez. Ah non. Elle est où elle? Non. Ah, quoique. Peut-être là? Non, elle est pas là. Ah si, elle est là! Ok, donc là, il va falloir qu'elle saute tout droit. Ah bah ça va, oui, je vois. Ok. Ah oui, quand même. Ah, ça reste pas longtemps, hein. Oh, je me base vraiment au jugé là. Ok, après un petit. Oh là 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 là. C'est tendax, hein. Après, il y a le bon vieux virage de la mort là. Celui-là, il est horrible. Parce que celui-là, tu sais que si tu te loupes, bah t'es. T'as ta tronche en bas. Là, je ne vois plus rien. Ok. Là, c'est bon. Ça doit le faire. Ouh, je prends des risques. Ça va, je suis encore au milieu. J'aime pas ces virages de la mort qui descendent, là. Alors, est-ce qu'il y a un trou juste avant la fin? Je voudrais voir ça. Non, il n'y a rien. C'est bon, je peux y aller. Wow. Dégage! Oh, comment il voulait tuer la petite? C'est chaud. Waouh. Alors, est-ce qu'en me mettant dans le fond, je peux l'atteindre, lui? Peut-être, ouais. Allez, dégage. Voilà, ça fera déjà ça de moins. Hein. Et c'est plutôt bien. Parce que là, je vous avoue que... Ok, donc là, va falloir que je fasse gauche. Alors, gauche, gauche, droite. Ok. Oh là, je cours et tout, là, comme un warrior. Vous avez vu ça? Hein? Hein? Le skill, hein? Skill de rien du tout, ouais. Je suis en train de me dire, si je tombe, je suis mal.
crois que c'est là. Est-ce qu'elle est bien en face? Ouais! Pas mal. Là, elle est pas parfaitement en face. Hein. Va falloir qu'elle décale un petit peu. Hop. Voilà, le chemin se révèle. C'est parfait. Ici, hop. Et lui, ici. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? Moi, faut que j'aille sur la route? Je sais pas trop. Non, y a rien. Sauvegarde en cours. Ah bah parfait. Parfait. On est à un peu plus de 35 minutes de l'épisode. C'est très bien. On va se quitter ici, les amis. Parce que là, après, ça va faire un épisode à rallonge. Je ne sais pas combien dure la prochaine énigme. Je vais donc vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, c'était Ocrad. Si cet épisode vous a plu, lâchez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao, c'était Ocrad, comme je vous le disais. Salut à tous et à toutes. Et vivez à fond votre passion de gamer. Ciao les amis, et à la prochaine. Ciao, ciao.